Le corridor nord est composé par le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et le Sud-Soudan, qui a intégré récemment le groupe. Ces pays disposent des gros projets qui sont exécutés par des experts étrangers qui perçoivent beaucoup d'argent en devises. À part cet argent qui est consommé par ces étrangers, les projets n'avancent pas convenablement. Ces pays ont décidé de créer des centres de recherche pour former leurs ressortissants. Deux centres existent déjà à Kigali, dont l'Université du Rwanda. Nous avons décidé de mettre sur place des centres d'excellence ou des universités qui ont des capacités de former des personnes capables de faire un travail qui était auparavant confié aux étrangers. Ici au Rwanda, nous avons deux et tout le corridor nord compte 17. Nous avons besoin de chemin de fer, des experts en télécommunications et bientôt, on aura besoin des gens avec des formations poussées pour exploiter le pétrole, des pierres précieuses, des pilotes et des mécaniciens d'avion. C'est pourquoi nous voulons former des experts. Les experts sont à l'œuvre pour que l'exécution des projets soit rapide. Ils espèrent que les travaux seront effectués rapidement avec les experts natifs de ces pays du corridor nord. Le grand problème est que les projets tardent à être exécutés. Nous perdons notre temps et souvent si les retards sont considérables, certains projets tombent en annulation. C'est l'exemple des projets qui étaient confiés aux Chinois mais qui n'ont pas avancé. Même s'il n'y a pas de chiffres actualisés et des pertes liées à ces retards dans l'exécution des projets, les pays du corridor nord espèrent gagner beaucoup d'argent dans son nouveau système. Si nous voulons par exemple extraire les pierres précieuses et qu'on doit à chaque fois engager des experts qui touchent en dollars, les pertes sont énormes. Mais par contre, si nous avons nos propres experts, les dépenses seront minimisées et on aura également créé de l'emploi pour nos ressortissants. Dans les centres de recherche qui sont au nombre de 17 dans les 4 pays du corridor nord, il est prévu que chaque pays accueille 2 individus pour le renforcement des capacités, mais ce chiffre pourrait être revu à la hausse.